Mathieu. Hey yo le Bruit Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu Gauzin. Mathieu, ça va ou quoi mon gars? On est là. Donc Mathieu, il a évolué cette année au Champagne-Ardenne Basket. L'année prochaine, tu vas te présenter à la draft. On va parler de tout ça au cours de la vidéo. On va faire plein de petits défis. Pour le premier challenge, on va faire ce qu'on appelle le Double Dribble Challenge. C'est un truc que j'avais fait avec Killian Hayes. Donc en gros, je vais proposer deux dribbles. Chaque fois, je vais faire une passe, une main à Mathieu. Mathieu devra les répéter. Bah, dès qu'il y en a un qui rate, en gros, il donne un point à l'autre. Let's go! Oh, easy. Ok. Moi je m'échauffe en même temps, t'as capté. Non, pisse. C'est pas mon genre, wesh. Ok. Oh. 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 C'est moi qui rate. Un point pour Mathieu, ok. Ah. Ça bégaye. Ça commence à bégayer. Non, pour commencer, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment toi t'as commencé le basket, où est-ce que t'as commencé aussi en club, etc. quoi. Alors, j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, okay. À Bourges, jusqu'à ouais, mes 13 ans. Ensuite, j'ai fait un an à Orléans, à Fleury-les-Aubrais, okay. Là où par exemple a joué Sekou. D'accord, ouais, je vois carrément. Ensuite, j'ai fait 3 ans au Mans. Tu l'as rencontré Sekou à cet âge-là ou... Ouais, bah c'était mon gars, on se connaît depuis très longtemps. D'accord, ok. Du coup, après, j'ai fait 3 ans au Mans en centre de formation. Okay. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat pro à 18 ans. D'accord. Première année, bah, c'est là où il y avait le Covid, du coup, ouais. Bizarre. Un peu bizarre. Ensuite, j'ai fait un an à Reims, okay. C'est-à-dire cette année. Et là, voilà. Ok, hey. Ok, il est là. Ok. Oh, easy, un petit peu de blaire. Attends. Il est là. 1, 2. Wesh, ça finit au sol, je sais pas, on va accepter ça. On va accepter ça, les gars. 2-1, ok. Non, on l'a pas fait. Ok. Merde. Heureusement, on juge pas sur les passes. Hein. On refait celui-là. Ok. Deux fois là. Merde, my bad, c'est moi qui a loupé. Deux partout. Balle de match. Ah, vas-y, c'est bon, tu vas. Good job. Ok, donc on finit 3-2 pour le Double Dribble Challenge. C'était pas mal, franchement, il s'est quand même bien débrouillé. T'as un bel arsenal de handle. On va voir si ça continue dans le petit défi 1 contre 1. On va faire au poste en 3 paniers. Après, mid-range, pareil, 3 paniers. On peut tirer que hors de la raquette. Après, 3 points, le premier qui met un 3 points. Et après, on fait libre en 3 paniers. Ça fait un total de 10 points à peu près. Et on vous mettra le score et on est parti. Voilà moi. Ah, tu vas pas toucher la balle, gros, ça va être relou. C'est important, wesh. Oh. Oh non. On va couper, tu connais la magie du montage, gros. Oh. Bon. Vas-y. Faut recommencer à jouer, là, gros. Tu connais, hein. Oh. In and out. Ok. Oh. Oh, salaud, il m'a eu. Let's go. 1-0, good job. En 3 paniers. Oh. Pas de moi. Ah, salaud, ça y est, il est réglé. Il attendait que ça. Good job. Bon. 3-Z, good job, my man. On va passer au mid-range, hein, en espérant qu'on va avoir plus de chance, parce que là... Bien joué, putain, il m'avait battu. Il m'avait battu, le salaud. Ah, mais... On va mettre un petit peu sur le côté, là. Oh, salaud. Il m'avait graillé. Y'a rien qui rentre. Touché. Purée. Bon, tout à l'heure quand il a mis son premier, après il a tout enchaîné. Là il s'agirait d'éviter.
Allez, on défend. No way. Oh. Faut les mettre. Non. Oh le bâtard. En fait, il avait besoin de me mettre dans la sauce un peu, t'as. Ah le gamin. Good job. C'était contesté, mais il a mis ça. Bah justement, t'avais triplé ton temps de jeu par rapport à l'année dernière, ça c'est grave lourd. Ouais. Est-ce que t'avais vraiment bossé pour? Est-ce que t'as changé quelque chose dans ton entraînement à ce moment-là? Ou comment ça s'est passé cette progression pour toi? Sincèrement, je pense que c'est vraiment mentalement que j'ai changé. D'accord. Parce que j'étais un peu, comment dire, lazy, un peu okay. Soft. Tu vois. Je me prenais pour ce que je n'étais pas. D'accord. Et ensuite, j'ai changé de mentalité et je voulais vraiment... Quand j'étais sur le terrain, c'est vraiment être le plus fort. D'accord, t'es vraiment agressif. Ouais, tout le temps. Et c'est ça qui a changé. D'accord, ok. Et voilà. Je te propose une petite manche à 3 points, le premier qui met à 3 points. Ok. Tu commences? Non, t'as la balle. T'as gagné. C'est le premier qui marque à 3 points. C'est le premier qui marque à 3 points. Ah. Mais t'es obligé de prendre à 3 points. Ça fait chier ce que tu vas faire, t'as capté? Non. Mais non. J'aurais pas accepté ça. Là, c'est difficile parce que on sait, tu vois, on sait que ça peut bouler. C'est pour ça qu'il part en même temps. Je veux me déconcentrer. Je veux le prendre de vitesse un peu. Tu vois. Ah, je la vois dedans. Ah, elle roule. Oh, j'ai eu peur. Ouh, allez. Cash. Oh, comment on met? Vas-y, à 3 points. À 3 points. Je sais, tu vas prendre, je sais, tu vas bluff, là je le sens. Non, t'as pas ça, man. On peut pas accepter ça, wesh. On peut pas accepter ça. Bon, ça fait 3-0. Là, on va passer au 1 contre 1 libre. Il serait temps de marquer quand même au bout d'un moment, t'as vu, Brisco? Oh non. Ah, il m'a chèvre aussi, wesh. Il me fait rigoler, wesh. Ah, c'est pas du jeu. Toi, tu commences. Non, on l'a dit, on laisse libre, t'es pas, il fait quoi? Sérieusement. Ok. Ah, oh le bâtard. Oh. Non, c'est bon, c'est fini, Kobila, c'est bon. Oh, là. Oh yes. On a des points communs, toi et moi, sur la finition. Oh, man. Ok. Là, c'est cadeau. Il faut mettre quand même un petit peu quand même. 1-0. Je recule, c'est bon. Ah, tu me laisses pull up, c'est une mauvaise idée, man. Tu sais que je suis un shooter. Shut. On a bien rôle dans la vidéo. Oh le bâtard. Non, le salopard. Il est trop long, wesh. Ah le bâtard. Ouf, je vais aller dedans. Un partout? Ouais. Let's go. Il a scouté. Il a scouté. Oh non. Il a scouté, je suis cramé. Ok. Oh putain, je suis revenu en plus, sa mère. 2-1, good job. No way. Ok. Oh. Hey, money. Deux, pour des cartes. Ah ouais, man, bah ouais, faut que j'en profite, bah ouais. Oh. Et Mathieu. Trois, deux. Ouais, c'est bon, j'ai shooté, frère, c'est bon. Tu laisses? J'ai shooté, vas-y, shoot. Tu marques, bien plus. Putain, merde. Ah, j'ai choqué. Ok, 3-2. Ça, je vois déjà méga m'allumer, là. C'est bizarre. Ah, merci. Oh, non. Oh, le bâtard. Il a bien répondu. 3 partout. Ça non. Ouais, 3 partout, c'est ça? Ouais, 3 partout.
65 poteaux. Ça veut dire que si tu mets à 2 là en vrai tu finis. Je le chèpe un peu, je le chèpe pour qu'il porte une tire, tu vois. Ah gros, en plus tu finis du milieu de terrain, t'as vu. Tu fais bien respecter ton blaze. Yes. 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 Ah c'est bon. Yes. Tu vas bien chez mon frère. Ok. Si tu marques à 2 points aussi, t'as fini. Aussi gros. D'accord. Et en plus depuis tout à l'heure tu me laisses shooter. C'est ça. Ça veut dire on sait jamais, tu sais, sur un malentendu. Sur un malentendu, c'est vrai. Tu vois, oh. C'est vrai. James Harden in the kitchen. James Harden in the kitchen. Eh, hey, j'ai perdu tous les 1 contre 1 à 0, mais le livre, je le gagne. C'est bien rendu l'enfoiré. Donc c'est lourd, ça me va en vrai, ça me va. Mathieu, du coup, là, on va passer un petit peu à l'aspect tutoriel de la vidéo. Tu vas nous montrer un petit peu le move que tu kiffes faire, vraiment le truc qui est ta spéciale, tu vois, quand vraiment tu veux scorer, c'est le truc que tu vas faire. Par exemple, pour toi, tu vois, c'est pas le shoot du mieux terrain. Bon, mon move que tu utilises le plus souvent. Okay. Toi t'es un joueur de spi, donc c'est ouais. Sûr ça va être un truc. C'est ça, c'est un truc de spi. C'est un truc de spi. En gros je suis là, j'essaie d'endormir l'adversaire. Okay. Chaque fois je mets sur ma main droite et tac. Okay. Sur ma main gauche. Ouais. Ah. Ah. Ah ouais. Ah. J'avoue que le premier pas il est vraiment explosif. Bon, en gros, les joueurs ils savent que je suis rapide. Ouais. Du coup c'est à moi de les surprendre. D'accord. Du coup au départ je suis lent. Un dribble, et là, tac. T'attaques avec tes gauches. Exactement. Ok les gars, là du coup, on va partir pour le jeu qu'on appelle le jeu de la banque. Je l'ai fait plusieurs fois sur la chaîne. Bah, en gros, si moi je mets un panier, il y a un dans la banque. Si derrière, Mathieu, il rate, il prend un. S'il met, il y aura deux dans la banque. Et en gros, c'est le premier qui a 7 dans sa banque qui perd. Let's go. Les gars, je vous jure, je me suis acheté un shoot. Je vous jure. Voilà. Cash money. Cash money. Bon là il est temps de mettre un peu quand même. Bang. Il y a 2 dans la tête hein. Il y a 2. Il marque en plus, l'enfoiré. L'enfoiré. 4 dans la veine. Ah putain de merde. J'aime bien. Ça la fout mal. Ça la fout vraiment mal. Ça la fout mal. Oui. Si je rate 4-4. Voilà, et j'ai osé dire qu'il avait pas de shoot. J'ai osé dire. Six, quatre. Aïe, dernière chance. Ça va fout mal. Il s'est retourné. Putain, je peux même pas me permettre. À partir du moment où tu sais que tu vas te présenter à la draft, est-ce que tu changes quelque chose dans son entraînement? Est-ce que tu as des objectifs, peut-être des aspects de ton jeu que tu vas plus travailler que d'autres, ou c'est vraiment la continuité de ton entraînement que tu poursuis au cours de la saison? C'est un peu des deux, je pense. D'accord. Vraiment un peu des deux. Normalement, bah, vraiment pour être drafté, il faut avoir un shoot. Ouais, c'est vraiment ça la différence entre un joueur qui n'a pas été drafté ou pas. Okay. Et je travaille vraiment sur mon shoot. Que ce soit pull-up, que ce soit 3 points, j'essaie d'être plus constant. D'accord. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence D'accord. Bah, plus tard. Donc là, c'est vraiment l'objectif cet été-là. Ouais. Let's go. Faut pas trembler, Mathieu. Faut pas trembler. Oh, il est clutch.
je parle pas, j'essaie d'être concentré, mais là c'est bizarre. C'est bizarre. Ça la fout molle. C'est bon, mort subite, mort subite là. Là c'est une grâce. De fou. Là c'est une grâce. Non, non. Oh là, 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 là. C'était un beau match, mais voilà. Voilà. Il était genre, mec, il a géré tout ça, il était pas bien, il était pas bien. En stress, en stress, en stress. Non, bon, bah, c'était carré. En tout cas, merci à toi, Mathieu, pour avoir participé à cette vidéo. C'était très lourd. Je vous mettrai tous les réseaux de Mathieu dans la description pour un petit peu suivre son évolution jusqu'à cette fameuse draft. Et puis, on se retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo. Peace.